Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne. Donc, avant qu'on me dise c'est dommage, Cyril, tu sais, ton micro te cache le visage. Bonjour. Ceci étant fait, maintenant je suis désolé, donc étant donné que je suis un professionnel, j'ai un micro de professionnel. Voilà, on va pouvoir commencer maintenant. Spécial dédicace entre parenthèses. Oh, ça sent le sapin. Donc, aujourd'hui, petit exercice de débutant que j'ai trouvé également sur internet de par mon confrère Laurent Pelluquier, je crois. Voilà, que je salue au passage. Et en fait, je suis tombé là-dessus et j'ai trouvé ça super sympa. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu éventuellement ce rythme, et ben en fait, je vous le retransmets une nouvelle fois. Voilà. Donc, c'est un rythme en fait, bien souvent, qu'on commence la batterie, ben on fait très souvent. Pompt, 4, pompt, 4, pompt, 4, pompt, 4. Et on bouge plus. On fait le 1 et 3 grosses caisses et le 2 et 4 caisses claires. Le 1 c'est le premier temps, le 3 c'est le troisième temps, le 2 deuxième temps, le 4 quatrième temps. Pour ceux qui se disent, il est gentil, mais on sait compter. Voilà. Donc on fait souvent ce rythme de base, ce rythme classique, mais c'est vrai qu'on se lasse assez rapidement. Il y a quelque chose de simple à faire pour casser ce rythme. Au lieu de faire des croches sur le Charleston, vous allez venir taper le contre-temps, vous allez venir taper le « et ». D'accord, on est bien d'accord, une mesure c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, on est bien d'accord, une mesure à la base c'est ça. Donc là, au lieu de venir taper le 1, le et, le 2, le et, le 3, le et, le 4, le et au Charleston, vous allez venir taper que le et. 1 et... Alors, on garde toujours la grosse caisse sur le 1 et le 3, sur l'exemple que vous avez sous les yeux, d'accord. On est d'accord, sur le 3, il n'y a pas de grosse caisse. Moi, je vous invite à en rajouter une, tout simplement. Donc voilà, vous venez rajouter une grosse caisse sur le troisième temps, histoire de compléter le rythme. Travaillez toujours, on n'oublie pas, très lentement. Ça ne sert à rien de partir comme un dingue dès le début. On a toutes les chances pour faire tout et n'importe quoi. Donc, on arrive, on vient positionner éventuellement, on se met le clic dans les oreilles, par exemple à 45 battements minutes, et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. On vient faire que les contretemps au Charleston. Et progressivement, on vient rajouter le 1 et le 3 à la grosse caisse et le 2 et le 4 à la caisse claire. Donc on part, 1 et 2 et 3, grosse caisse, et 4, et d'accord. Je vous montre vite fait. Alors ensuite, on vient mettre des subtilités à ce rythme, d'accord. Donc on a fait notre premier temps grosse caisse, notre troisième temps grosse caisse, 2 et 4 caisses claires, on est venu mettre les contretemps au Charleston, donc les et, 1 et 2 et 3 et 4 et, d'accord. C'est ça qu'il faut vraiment placer pour casser le rythme de base, tout simplement. C'est pour faire une petite variante de rythme qui est très abordable, même qu'on débute la batterie, avec un minimum de travail, voilà. Vous pouvez vraiment peaufiner ça et pour vraiment casser le rythme, d'accord. C'est vachement agréable et ça vous fait faire autre chose. Au début, on n'a pas envie de s'aventurer forcément dans des tas de trucs à la batterie, d'accord. Bon, là, ça vous permet vraiment de travailler quelque chose de différent et d'être vraiment, voilà, de vous démarquer un petit peu, de casser un petit peu votre rythme de batterie. Ensuite, on vient mettre des subtilités à la grosse caisse, notamment à partir du premier temps, comme ça s'affiche sous vos yeux, regardez bien. Donc on vient rajouter une grosse caisse au niveau du premier temps, d'accord. Je vais vous le jouer, tout comme tout à l'heure. Le troisième temps, on est d'accord sur ce qui est écrit là, il n'y a pas de grosse caisse. Je vous invite quand même à en mettre une, donc je vais vous le jouer très lentement pour décomposer. Votre main droite, si vous êtes droitier, ou votre main gauche, si vous êtes gaucher, ne change pas, elle reste toujours sur les contretemps, d'accord. Écoutez bien. Là, c'est la première petite subtilité. On rajoute une grosse caisse au niveau du premier temps. D'accord, en double croche. Bon,
ça passe, il suffit de bien comprendre le principe. Voilà, là je vous l'ai fait très lentement, ça vous permet un petit peu de décomposer le truc, d'accord, et d'être attentif à ce qu'il faut faire. Maintenant, on a une autre subtilité où on vient de rajouter de la ghost note à la caisse claire. Donc là, c'est la troisième étape où, en effet, ça se corse un petit peu. Donc quand on maîtrise la première étape, on passe à la deuxième. Et quand on maîtrise la deuxième, on passe à la troisième. Un peu plus complexe, mais largement faisable. Sincèrement, même en tant que débutant, vous allez sûrement peut-être vous prendre un petit peu la tête. Je ne vous dis pas que ça va passer comme ça. Mais je suis confiant, je sais que ça va passer. Persévérez un petit peu, essayez de bien comprendre le principe et vous allez voir, ça va se déverrouiller naturellement. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler, vous êtes obligé de travailler un minimum pour le passer, d'accord ? Je ne suis pas Dieu le Père non plus. Donc, la dernière étape, c'est donc celle-ci. Et là, on a travaillé les trois étapes. Première étape, très facile. Deuxième étape, un peu plus difficile. Troisième étape, encore plus difficile. Donc on travaille progressivement. On part d'un rythme, croche Charleston, et on vient le casser avec pont, cat, pont, cat, pont, cat, pont, cat. Et on repart en croche. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de casser votre rythme, de vous faire plaisir, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Avec un petit peu de bonne volonté et de travail tout de même, faut pas l'oublier, ça va passer. Clairement, voilà. C'est vraiment un superbe exercice, ça vous permet de casser votre rythme, de voir un petit peu autre chose également, voilà. Donc, il y a quand même un petit peu de travail pour passer ces trois étapes en étant à l'aise. Voilà. Donc, les amis, je vous invite à travailler ceci. Merci d'avoir regardé encore une fois, la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, encore une fois, abonnez-vous. Merci à tous les nouveaux, encore une fois, qui s'abonnent, qui me suivent et qui me soutiennent. Merci vraiment encore à tous. Ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'éventuelles questions, d'éventuelles suggestions, je suis là pour y répondre et pour faire que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Encore une fois, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao, bye bye.